Coach, l'équipe nationale a 29 matchs sans défaite jusqu'à maintenant. Au football, toujours fait à Rabha ou Khsara. L'équipe nationale va perdre. Est-ce que le coach a dit comment il va gérer la période où l'équipe nationale va perdre Film d'horreur avant l'heure. Il ne manquerait plus que ça. Est-ce que le coach ici, on n'est jamais assez. Zid, smahli. Est-ce que le coach comment il va gérer la période quand l'équipe nationale va perdre pour ne pas entrer dans un passage à vide? C'est ma question. Alhamdoulilah, ya Rabbi, j'ai pas l'habitude de mettre ça en avant, mais c'est une chose. Alhamdoulilah, c'est une chose. Quand même importante. Nous, en tant que coach, on est notre vie est régie par ça, par les résultats. Natija. Et quand je dis notre vie, je dis pas notre vie professionnelle. Je dis notre vie de manière générale. En tout cas, pour les personnes comme moi qui sont pleinement investies. Alhamdoulilah, je pense j'ai en quatre années, on a perdu une fois contre le Bénin. Donc j'ai pas trop ce goût de la défaite en moi. Juste celle du Bénin a suffi à me faire beaucoup de tort. Pourvu que ça dure comme ça, on fait le nécessaire pour. Ça vient pas comme ça. Cette série d'invincibilité, comme vous dites, ça vient pas comme ça. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'implication, c'est être pleinement investi 100% du temps. 100% du temps, ça il faut le savoir. Même si on intervient sur des dates FIFA, que ce soit les matchs, que ce soit les interventions comme celle-ci, mais nous en fait on est tout le temps là-dedans. C'est des sujets qu'on 24 heures sur 24, on est dans tout ce qu'on a pu raconter là-dessus, l'état de forme des joueurs, la situation de ça. Voilà, faites attention au terrain, faire attention à ça, faire attention au déplacement, faire attention à l'adversaire. On est tout le temps là-dedans. Donc on fait en sorte de ne pas connaître cette défaite. En tout cas le plus loin possible, et puis il n'y a pas besoin de se préparer pour ça. En tous les cas, la défaite a un goût amer. Donc ce goût-là, j'ai pas envie de l'avoir avant pas mal de temps.